Et bien salut tout le monde, c'est ZenPL, j'espère que vous allez bien. Pour ma part mes petits potes, je vais très bien. Écoutez, on se retrouve donc pour l'épisode 23 de Pokémon Soleil et Lune. Rappelez-vous, nous avons battu Sobon et nous devons aller ici, c'est parti. Alors il faut savoir que j'ai dû tout me retaper parce qu'en fait je voulais vous faire un tuto. Et je n'ai pas pu. Parce qu'en fait mon tuto marchait pas. En fait j'ai juste oublié de sauvegarder. Du coup j'ai juste tout me retaper. What the fuck, qu'est-ce qu'il fout là, Guzma? C'était obligé. J'en étais sûr, il travaille pour la Fondation Ether. Ouah, ça grouille de la Team Skull. Ça veut dire que la Team Skull et la Fondation Ether sont du même côté? Ce côté théâtre, je suis sous le choc, mais bon, on n'a pas le temps de réfléchir. Allez, ZenPL, on leur rentre dans le tas. Obligé? On peut pas contourner? Non, on peut pas. Zut! On me l'a vu en bas 1 et. Dabla! Je vais te refaire le portrait, ça va te faire passer l'envie de causer au boss! Bitches! On va voir. Alors, non pas que croyez que je suis sale, mais c'est juste que je rigole tout le même jour, comme je vous l'ai dit. Du coup, j'ai tout le temps le même pull en fait. Je vais pas changer de pull pour une vidéo. Je rigole tout en un jour, je rigole 7 vidéos par jour. Donc. Par exemple, hein, ça dépend, des fois je peux recorder beaucoup moins. Là je crois que je suis à la 5ème, 6ème vidéo. Donc voilà. Force Z, ballon bre des bitches. Ah, les Pokémon sont heal. Cool. Mort de rire, je vous jure. Allez mon petit ossature. Du coup, si vous voyez que les Pokémon n'ont pas le même niveau que dans l'épisode, c'est normal. C'est parce que du coup, j'ai fait sans faire exprès des combats. J'ai pas pris exactement le même ordre. Mais voilà. Ah bien, c'est pas one shot. Crochet venin. Sois pas empoisonné. C'est bien. Nitro charge. C'est mieux. Ok, du coup ça me fait penser un peu à la route au-dessus d'Azuria. Là vous savez, vous êtes sur le pont et sur le pont en fait vous avez de chaque côté en fait des dresseurs. Vous ne pouvez pas les esquiver, vous êtes obligé de les affronter. Et ben là c'est pareil, mais avec la Team Skull. Ok, allez c'est parti les amis, on continue. Ça va. Il y en a, en tout il y en a 2, 3. Donc ça va, en vrai ça va. Alors voyons. Qu'est-ce que tu m'envoies? Un soporifique, je dirais, ou un hypnomade. Un rat-attaque. Rien à voir. Ah, j'ai pas d'attaque combat. Je voulais le one-shot, ça va pas être possible. Rip. C'est chiant, trépidement. C'est chiant! Oh putain, en plus c'est efficace ça. Ouh! Corps maudit. Ah, tu ne peux plus. Moi je continue. Très rapidement. Kuba, aïe! Ah, excuse-moi, au satueur. C'était pas prévu. On va envoyer Lugarok, du coup, le meilleur pote Lugarok. Lugarok qui était par exemple niveau 45, et là il est niveau 44. Bah, ça changera pas grand-chose. Parce que de toute façon, on va l'éclater. Kuba. Wow. Mange-toi ça. Bitches, bitches. Le mec il s'éclate de ouf quoi, genre il se vénère. Allez hop, niveau 45, ça c'est cool. C'est cool mon petit pote, c'est vraiment cool. Et on va apprendre escalade. Du coup, on ne va pas l'apprendre parce que j'ai vu ce que ça donnait et ça ne me plaisait pas. Désolé du coup si je respecte pas l'épisode précédent. Mais me convient pas trop. Pokémon. Voilà, parfait. Est-ce que lui, il va me battre? Il va... Ouais. Hesh. Oh, comment tu nous roules dessus? C'est violent. Bah, tu peux passer, hein. Je me tiens à mes dents, hesh. Je tiens à mes dents, lol. Yo, Gladio. Yo, Guzma. C'est impossible, c'est tout ce dont je suis capable. Tout ce temps dans la solitude à m'entraîner n'aurait-il donc servi à rien? Il est classe quand même, Guzma. Place
face au boss que tout le monde déteste, celui qui adore éclater des têtes. Bling bling et sap de marque, c'est Guzma qui débarque. J'ai l'impression qu'il l'a déjà dit. Tu vois ce petit bouche tout dégoûté? C'est ma dernière victime, il a voulu jouer les caïds en fuguant de chez lui. Il est venu frapper à ma porte, sans s'il me plaisait bien, mais quand même. Se rebeller contre sa propre mère, sérieux, j'en ai connu des fils ingrats même. Mais lui, il a la palme. Bref, je lui ai donné une leçon, et c'est toi le prochain sur la liste. T'arrêtes pas de me pourrir la vie comme un caillou dans mes pompes à 10 000. Pour quel dollar? Je vais devoir sortir l'artillerie lourde et te briser une fois pour toutes. Écoute Guzma, écoute mon flow. Je t'ai niqué 3 fois, on dit jamais 304. Je vais te battre encore une fois, voilà. C'est pas du tout du flow, mais bon. Quand on est sapé comme toi, on devrait se taire. Voilà. Allez, c'est parti les petits potes. Il envoie son Samurai. Samurai qui est donc de type insecte eau, rappelez-vous. Nous envoyons Loup-Garok, tout se passe bien, bien évidemment. Oui. Alors, il m'a l'air d'être content. Il a envie de s'amuser avec vous, mais le combat se passe avant. D'accord. Alors, on va économiser du temps. On va envoyer Bazookan. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? C'est très simple. Bazookan est de type vol. Il va pouvoir lui mettre la misère. Oui, messieurs, oui. Oui, mesdames. Regardez, il nous fait un petit danse-lame, là. Mais mon petit pote, ton danse-lame, il va servir à rien. Regarde mon bec vrille. Je suis plus rapide que toi. Eh oui. Et paf, ça fait des chocs à pic. Repli tactique. Du coup, ton danse-lame, tu le perds. C'est comme ça. Mascadra. Non. Oh, il est trop mignon. Oui, j'adore Mascadra. Et alors, en fait, il n'y a que des insectes hauts. C'est marrant, ça, quand même. Du coup, on va refaire un bec vrille. Lame d'air, oula. Plus rapide que moi. J'aime beaucoup Mascadra. Waouh. Bec vrille. Voilà, moi aussi je fais des coups critiques. Tu m'as pris pour qui, mec? Ça doit être mon Pokémon préféré. C'est mort. Konyubi. Oh. Attends, Konyubidon, les potes. Regardez. Tu lui donnes ça avec. Une attaque, un objet qui le heal, le mec il se fait grave plaisir. Hein. En vrai. Ouais. Oublie cette attaque. Allez. On oublie le plaquage, au pire on pourra le réapprendre plus tard, c'est pas très grave. Allez, Samurai. Non, je ne changerai pas de Pokémon. Mon Bazookan, on va tout te mettre dans la tête en fait. Allez, c'est parti. Bec vrille à nouveau. C'est vrai qu'il a que des types insectes, donc en fait, notre type vol est très recommandé. Et du coup, Bazookan passe au niveau 45. Merci à toi, Bazookan, de participer au combat de la sorte. Amphinobi passe niveau 48. Scarabrut. Mais non, je ne veux toujours pas. Les Pokémon insectes, sans déconner. Je vais vous mettre la misère. Brismoule. Pas de soucis, mec. Bugvrille, encore une fois, écoute. Aïe! Il attaque plus vite que moi. Zut. Je pense pouvoir le tenir. Casse-brique à nouveau. J'aurais le tenir, je le tiens, je le tiens. On va devoir envoyer un autre Pokémon qui a une attaque vol. Archiduc, je crois qu'il a toujours son picor. Oui, parfait. On va utiliser un rappel max. On l'utilisera après. Même s'il perd du niveau, on va l'utiliser à... je vais l'utiliser maintenant. Je vais utiliser maintenant, pourquoi? Parce que l'XP qu'on va gagner risque d'être horrible. Attendez. Il est où mon rappel? Voilà, rappel max. Bazookan. Parce que Plécroix, oh mince. Pas de chance. Ah oh yes, c'est bon, j'ai pu le tenir. Alice, attaque. Picor. Ah, Plécroix encore. Il fait des dégâts. Pourtant, hein. Il est niveau 40, 46 je crois, ou 45. Bientôt 47, je pense. 47, ouais, bientôt. Il envoie Megalos. Oui, je changerai de Pokémon. On va renvoyer notre cher ami Bazookan. On va te mettre la misère, mon petit Megalos. Oui. La musique de la Team Skull est très 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 bien, par contre. J'aime beaucoup. Allez, Megalos. On va se dire au revoir, je suis désolé. Quelle est la meilleure attaque? 50, 100 et
80-100. Bon bah Becvrille, t'as de la chance parce que ce bazooka n'a pas d'attaque Z. Parce que je l'ai oublié de lui remettre. Parce que je voulais avoir des écailles cœur. D'où le fait qu'il est larcin. Voilà. Désolé Gazma, moi je venge mes petits potes. Même si je le connais à peine, Gladio, il veut sauver ma meilleure amie. Lily. Ah Gazma, qu'est-ce que tu fais? T'as sur pas là? Vas-y, passe. Nice. Tu peux me soigner mes Pokémon? Tu peux soigner mes Pokémon? Vous pouvez pas soigner mes Pokémon? Non? Bon, bah je vais le soigner moi-même. Tant pis. Moi je voulais qu'il soigne mes Pokémon. Hein. Alors c'est. Ouf, c'est là hein, de toute façon. Rappel max, utiliser. Voilà. Ensuite j'ai une limonade qui régène un peu de vie. Ouais, après j'ai des hyper potions, une huile max. Le reste ça ne sert à rien. Allez. On y va, on va voir un peu qu'est-ce qu'il se passe ici. Oh, c'est joli ce palace. On dirait l'entrée de la ligue de Kalos. Tiens Lily, ma meilleure amie. Tiens Zenpil, ça faisait bien longtemps. Je n'y croyais plus. Tu es vraiment venu me sauver. Merci, merci du fond du cœur. Oh, alors comme ça vous vous connaissez. Ne me dis pas, ma fille, que tu as osé te lier d'amitié avec un dresseur aussi formidable dans le but de me nuire. Tu me déçois beaucoup. Oh oui, beaucoup. Mère, que voulez-vous dire? Que vouliez-vous? Que vous le vouliez ou non, je vais sauver Cosmog. Pff, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Il fut un temps où j'avais une fille et un fils. Mais ça, c'était avant qu'il ne rejette mon amour et décide de s'enfuir de la maison. Lily, ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'une frêle jeune fille comme toi croit pouvoir accomplir? Tu n'as ni la force des dresseurs, ni le soutien de ta propre mère. Tu n'es bonne qu'à shipper nos sujets de recherche et à t'enfuir comme une petite voleuse. Comme tes sbires de la Team Skull? C'est triste d'en arriver là, mais ce qui est fait est fait. Puisque vous êtes là tous les deux, vous allez vous asseoir tranquillement et m'admirer pendant que j'invoque une ultra chimère. Mère, vous ne comprenez pas. Je n'ai pas fait ça par caprice. Je vous en prie, je vous en supplie, ne sacrifiez pas Cosmog pour invoquer une ultra chimère. Si vous ouvrez les ultra brèches, Cosmog va mourir. Tu as raison, je vais pousser son pouvoir au-delà des limites de son corps et il est possible qu'il ne survive pas. La saleté, dommage pour lui, j'aurais bien songé à l'épargner si la demande ne provenait pas de la fille indigne que tu es. Zenpil, je ne te remercierai jamais assez d'être venu à mon secours. Je n'arrête pas de te demander de m'aider. Je sais que c'est égoïste de ma part, mais toi seul peux aider Doudou. Sauve-le, pour moi, je t'en supplie. Eh ben écoute. Pas de problème, je vais t'aider. Y'a pas de souci. Du coup, c'est ça, Lily et Gladios sont bien frères. Quel est cet endroit? Qu'est-ce que c'est qu'elle a en bas? N'ayez pas peur, approchez! Je l'aime pas, mademoiselle, cette dame-là. Qu'est-ce qu'il y a dans les trucs des Pokémon? Un Ramolos? Un Staros? Un Écaillon? Alors, que pensez-vous de ma petite collection personnelle? Ici, je garde mes tendres petits Pokémon pour l'éternité. Ramolos? C'est bien ce qui me semblait. Pikachu? Un petit bonhomme que je ne connais pas encore, son nom. Oh, le pauvre. Je fais face à un dilemme à cause des ultra chimères. Lorsqu'elles arrivent dans notre monde, elles paniquent et se mettent à tout semer la pagaille. Mais d'un autre côté, il serait bien inhumain de ma part de les enfermer ici avec... Attends. Au fond, elles ont juste besoin de se défouler un peu. J'ai bien l'intention de leur offrir le terrain de jeu idéal, la région d'Alola. Yo, Zenpil! Ah, Lily! C'est là que tu te cachais! Ouf, me voilà rassuré, on t'a cherché partout!
Oh, mais c'est ce cher Chelly, vous êtes venu me voir comme c'est gentil. Décidément, Guzma est incapable de suivre même les ordres les plus basiques. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Mère, je vous le demande à mon tour, ne commettez pas l'erreur d'ouvrir l'ultra-brèche. Les ultra-chimères vont semer le chaos, et ce sera de votre faute. Il est classe, Gladios. Il est classe. Ils sont tous les deux classes, en fait. Oula. Ah, les joies des réunions de famille. D'un côté, la fille qui m'a arraché mon cher petit Cosmog. De l'autre, le fils qui a osé me dérober Chip Zero. Avec tout l'amour que je vous ai donné, c'est comme ça que vous osez me remercier. Et vous croyez sincèrement que je suis d'humeur à vous écouter? La fille, le fils. Ouah. Vous êtes tous de la même famille? Quand je pensais que c'était une ultra chimère. J'ai toujours pensé que Lily était une ultra chimère. Nous étions tous de la même famille, nuance. Jusqu'à ce jour, deux enfants capricieux décident de tourner le dos à leur tendre mère. Enfin, ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour laver notre sale linge. Nous avons des sujets bien plus intéressants à aborder. Putain, cette mère horrible! Nos chercheurs ont réussi à ouvrir brièvement une ultra-brèche à partir des vapeurs extraites de Cosmog dans notre laboratoire. Oh non, pauvre Cosmog. Imaginons un peu toutes ces belles ultra-brèches que nous pourrions ouvrir grâce à lui. Je me vois déjà dérouler le tapis rouge à toutes ces ultra-chimères. Mère, je vous en supplie, reprenez vos esprits. Chaque fois que vous utilisez le pouvoir de Cosmog, vous épuisez ses forces. Il était déjà très affaibli quand j'ai fui le paradis et terre avec lui. Ouh, c'est dur de tout parler. Si vous continuez à exploiter son pouvoir, il va finir par mourir. J'ai l'impression qu'elle s'en bat les couilles. Ce n'est plus mon problème. Regardez bien, je vais ouvrir l'ultra brèche. Venez à moi, mes chers ultra chimères. Team soon. Non, Cosmog. Mon pauvre Cosmog. Tiens, l'ultra chimère qu'on a essayé de capturer la dernière fois qu'on ne pouvait pas. Ah ouais, quand même. Ah, quand même. Encore une fois, on va devoir sauver le monde, comme dans Rosa. Et dans X et Y. Je trouve ça vraiment génial. Le portail interdimensionnel. Wow. C'est vraiment beau. Ah, c'était Connie Connie. C'est magnifique ces tunnels de dimension. Elle est trop mignonne cette chimère. Eh bien, regardez, il y en a partout en Alola. Piou! As-tu bien resté tranquille dans ta cage? Tu m'empêches de me concentrer. Seul ton pouvoir m'intéresse, compris? Alors, silence! Au lieu de couiner, je devrais m'être reconnaissant de t'avoir trouvé une utilité. À l'heure qu'il est, Alola doit déjà être submergée d'ultra chimères. C'est tout simplement magnifique. Elles sont partout. À Akala, à Pony, à Mélé Mélé aussi. Mais notre personnage est comme ça. Elle détruit le monde. J'adore ça. Pendant ce temps, à Mélé Mélé, non loin du sentier de Mahalo. Oh, Pectorius, sifflote. mais qui va là? Oh, un moustique. Oh, c'est vraiment un moustique. Je ne t'ai jamais vu par ici. Sache que c'est le doyen qui se dresse devant toi. Non. Tokoriko. Oh, il est trop beau. J'ai hâte qu'on puisse le capturer, bordel.
Je pensais que ça allait être un Pokémon commun au début. Tocorico, es-tu là pour sauver ton île ou est-ce que c'est l'odeur du combat qui, qui t'appelle? Les autres îles aussi seraient menacées. Tocorico, tu peux compter sur l'aide de Pectorus, le doyen de Mêlée. Les combats? Les gars, les combats? Trop bien! Les cinématiques sont géniales! J'ai l'impression que c'est la seule passive, cette chimère. Eh bien, bienvenue à toi, adorable ultra chimère. Yo, présidente, les choses se passent comme il faut, à ce que je vois. Plus qu'à choper l'ultra chimère et à écraser vos ennemis avec. C'est exactement ce que je compte faire, d'ailleurs. Guzma, ces enfants dissipés me fatiguent. Je ne veux plus les entendre, sois gentil, fais les taire. Toi, tu vas te prendre un taquet, Guzma. Je m'occupe de l'ultra chimère. Mon partenaire type 0 a été créé dans l'unique but de les affronter. Tilly, tu te charges de Guzma. Pendant ce temps, Zanpil, essaie d'arrêter ma mère. Si on ne fait rien, Alola va être envahie par les ultra chimères. Zanpil, il faut à tout prix sauver Toutou. Pas de soucis. Comptez sur moi. Tous autant que vous êtes, vous ne comprenez rien à la véritable beauté. C'est sûr que quand on voit comment t'es habillé, vous ne voyez-vous pas que vous faites de la peine à cette pauvre ultra chimère? Je vais devoir vous réduire au silence, à commencer par toi, Zanpil. Je ne demande que ça. Le combat. Le paradis éther va se retrouver sous mon pied. La musique est cool. T'es 5 Pokémon là. Elzamina envoie un Melodelph, Pokémon de type fée, combat. Je crois que les attaques de type combat sont efficaces, j'espère. Je connais pas encore la table des types fée. J'ai très peu joué à XY et Rosa. Enfin, j'ai joué, j'ai juste fait l'histoire, quoi. Non, bon, c'est pas du tout efficace. Force cosmique. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Attends. Je vais regarder. Oh, c'est ça, c'est que 2-1. On va faire une mâchouille. Putain, quoi les attaques efficaces? Ah si, mais j'ai pas d'attaque acier moi. Comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Éboulement. Force cosmique. Fait que se booster, ça va pas être possible. Hein. J'ai pas d'attaque qui fait que genre. Perd 40 points de vie, 20 points de vie. J'ai pas fléau non plus. Pouvoir lunaire. Oula. 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 One shot. Ah, presque. J'ai pas eu quelle attaque il me baissait. C'est l'attaque spi. Et ça, c'est quoi? Oh bah zut, j'ai pas fait attention. Ça ne m'étonnerait même pas qu'elle le soigne. Pouvoir lunaire, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le coup critique. Non, même pas, c'est juste que ouais, elle est plus puissant quoi. Au plus elle l'utilise, au plus ça fait des dégâts. Je suis désolé, je vais devoir utiliser Amphinobi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au combat en plus. Et j'ai besoin de sa force. Super tourbillon abyssal. Du coup, ce sera encore un épisode qui va durer longtemps, je suis désolé. Mais vu que c'est. On est déjà à 25 minutes de vidéo. 24 et des brouettes. Ça va être compliqué. Je vais pas rush le niveau avec non plus Amphinobi, je vais le changer bien évidemment. En fonction de. De ce qu'il propose, bien évidemment. Je vois aussi que ma batterie va bientôt mourir, celle de mon appareil photo, donc ouais. On va essayer de terminer l'épisode rapidement pour que je puisse changer de batterie. Alors, qu'est-ce que tu envoies? Un fragile AIG. Ah là, par exemple, on est obligé de changer de Pokémon, on va prendre Bazookan. Bazookan, j'espère que tu feras le taf et que tu seras plus rapide, par contre, que fragile AIG. Fragile AIG de type plante.
Becvrille. Parasport. Mais nerf bazookan, t'es pas rapide du tout. Pourquoi j'ai mal au dos? Ah d'accord, je me suis déglingué le majeur. Archéologique niveau 47, cool. Ossature 45, cool. Magirève. Oui, on va changer. Magirève qui est de type... ouais, ça devrait le faire logiquement. Ossature, à toi de jouer. Si j'ai pas de conneries, on devrait être efficace contre Magirève. Je crois qu'il est le même type que Spectrum et Ectoplasma. Très beau Pokémon d'ailleurs. Balombre. Bah, aïe aïe aïe. Ah, le one shot, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, 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 c'est... On a enfin du challenge en Pokémon Soleil et Lune. Enfin, même si j'en avais avec les épreuves qui étaient assez compliquées. Là, c'est du bon, là. Là, c'est du beau. On va utiliser l'âme-feuille. Allez, résiste un peu, Archéduc. Maintenant, tranche herbe. Je comprends pas qu'on ait fait autant de dégâts. Feu ensorcelé. Ça va faire mal, ça. Résiste. C'est bon. Tranche herbe. C'est pas grave, on va le tuer. J'ai pas pris sa force Z, du coup. Je pense que je vais pouvoir le regretter. Milobélus. Ah non, je ne change pas, du coup. J'espère être plus rapide. J'espère, pour pouvoir le one-shot. Lame-feuille. Rune protect, c'est bon. Logiquement, c'est le one shot. Parfait. Merci à toi, Archéduc. Et Amphinobi qui monte niveau 49. Il veut apprendre extra ascenseur. On va lui apprendre. Une attaque psy, ça peut être toujours très efficace. À la place de aéropiqué. On a déjà des attaques de type vol dans l'équipe. Pas besoin de 3 attaques, ça suffira. Attaque extranseur, ça peut être utile. Bazookan 46. Chelous. On change de Pokémon. Bazookan, à toi de jouer. Hein. De toute façon, j'ai que lui. Hein. Pour Chelous, qui est de type normal. Oh merde, son talent est trop fort. Il réduit les dégâts par 2. Non. Oh non, il est trop mignon. En plus. Il réduit les dégâts par 2, regardez. Ah non, Rune Protect. Non, c'est juste ça. Casse-brique. Regarde touchant. C'est quoi déjà? Ça me fait perdre quoi? L'attaque ou l'attaque spé? L'attaque spé, s'il te plaît. Oh putain, merde. C'est embêtant. Parce que du coup, on va... Ça, c'est un vrai tank. Un tank à PV, ce mec. On va faire... je suis obligé de continuer avec ça, en fait. Belly. Oula. Ouf. D'accord. Parfait. Le coup critique qui fait plaisir. Ça m'étonnerait pas que ce tour-ci en soit paralysé par contre. Marteau point. La vitesse baisse, ça c'est parfait. Ouais, ça m'aurait étonné. C'est normal. Logiquement, là on pourrait attaquer avant lui. Logiquement. Ah, moi ce qu'il. Oh putain, il a vraiment. Il a vraiment beaucoup de vie quand même. Allez, courage, Bazookan, je compte sur toi. Allez, Bazookan, encore une fois. Non! Bazookan! C'est pas top top ça! J'ai plus de Pokémon! Amphinobi, à toi de jouer! Hein. Je vais pas envoyer Ronflex, il a pas de dégâts. Alors, c'est un tank, c'est le cas de le dire. Amphinobi. Shuriken. Parfait. C'est tout déjà? Oh, bon ça va. Bon, attendez, je vais faire un cut du coup. Cette ultra chimère est la seule chose qui compte à mes yeux. Vous pouvez tous disparaître, ça m'est égal. Pauvre chimère. Non, l'ultra brèche se referme. Kuzma, avec moi! Nous allons capturer l'Ultra Chimère grâce à l'Ultra Ball que nous avons mis au point. À vos ordres, madame.
Enfuis-toi! S'il te plaît, enfuis-toi. Mère! Oh, god damn it! Est-ce que Cosmog est toujours vivant? Pourquoi? Doudou, tu n'as rien? Oh oh. Doudou? Qu'est-ce qu'il y a? Oh? Son apparence a changé et il ne bouge plus. Il aurait évolué? Il n'y avait plus rien à faire ici. Partons. Cet endroit me donne le cafard. Il aurait évolué donc. D'accord. Ah, Vicky. Tout le monde va bien? Rien de cassé? Ça peut aller. Par contre, la situation est loin d'être idéale. Entre la présidente et Guzma qui ont disparu dans l'ultra-brèche, et Cosmog qui est dans un sale état, va falloir se bouger et vite. Malgré ses actes méprisables, il n'en reste pas moins ma mère. Et je refuse de lâchement l'abandonner au monde des ultra-chimères. Il existe forcément un moyen de se rendre à l'autre dimension, si seulement le Pokémon légendaire d'Alola était de notre côté. Mais bon, faut pas rêver, je ne suis même pas sûr certain qu'il existe. On a beau le vénérer, personne ne l'a jamais vu. Il existe obligé, si les ultra chimères existent, alors le Pokémon légendaire aussi. Pour une fois qu'il a logique, Moi je suis sûr qu'on va le rencontrer bientôt. Oui. Tout ira bien. Zenpil Chili, c'est vraiment gentil de m'aider. Loin de moi l'idée de vous couper dans votre élan, mais est-ce que vous ne voudriez pas vous reposer un peu d'abord? Nous avons une salle de repos libre et elle est pour vous. Oui, bonne idée. Ça tombe bien, j'ai les jambes en compote. Moi, je vais dormir ici. Quand j'étais petite, mère et moi avions l'habitude de dormir dans ce lit. Je suppose qu'il s'agira de ma dernière nuit passée dans ces draps. Ah chou. Est-ce qu'on a de quoi sauvegarder? Le petit île qui fait zizir, et moi j'aimerais sauvegarder. Le lendemain. Ah, comme dans Donjon Mystère encore une fois. Il n'y a plus de lit. Il n'y a plus de lit. Pas trop fatigué, mon petit Zenpil? Au fait, je crois que Lily voulait te dire quelque chose. Elle t'attend à l'extérieur. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et mettre un petit commentaire. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Peace!